sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau vendredi, jour de Vénus, l'amour toujours, une petite bougie rose, une petite huile d'amour, mettez-y de la violette par exemple, ou moi j'aime bien le lilas aussi, mettre dessus, et vous verrez, ce sera vraiment extraordinaire. Alors, bienvenue en cette nouvelle journée, cette nouvelle vidéo. Merci d'être là. Merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et vos abonnements. Surtout, vérifiez vos abonnements parce que c'est la bizarroïde. Voilà. Eh bien, écoutez, on va faire une vidéo concernant les moustikos. On va parler de Bill le Gaga, les moustikos au Gaga. Voilà. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous montrer, donc je continue de vous montrer les ouvrages, puisqu'on rentre dans une période compliquée avec cette cohorte de neuneux qui nous empêche de lire, tout simplement. Donc, concernant les livres, je vous ai présenté les livres de Marc Neu l'autre jour, sur les cahiers de sorciers, de sortilèges, pardon. Oui, non, de sorciers. Donc, ici, c'est le gros livre, hein, Rituels et secrets de magie moderne de Marc Neu, excellent ouvrage que j'utilise aussi, voilà, donc vous allez tout être expliqué, c'est vraiment simple comme bonjour les miroirs, voilà, les miroirs de sorcière, il y a la poupée et le panneau indicateur, vous voyez, c'est vraiment très très bien conçu et très explicite. Je vous rappelle que pour moi, tout le monde peut faire de la magie. Il suffit d'activer son hippocampe au niveau cérébral qui se trouve au niveau du cerveau limbique. Il est vrai que le cerveau limbique, si vous voulez, c'est tout ce qui est du domaine affectif. Et quand on a des soucis affectifs, c'est très compliqué d'activer la mémorisation. C'est pour ça que je parle toujours d'une marche rapide que je fais tous les jours. D'abord, c'est bon pour votre hygiène de vie. Et puis, vous allez voir qu'au niveau cérébral, vous sentirez de mieux en mieux. Et en plus, c'est bon pour attirer des... comment vous dirais-je, pour attirer l'amour, hein, bien évidemment, pour attirer l'amour. Le deuxième ouvrage, ouh, ça pète le matin, je me suis levée à 4h ce matin, mais je me suis couchée entre 9h et 10h hier soir, donc j'ai hyper bien dormi, j'ai fait ma séance, ouais, j'écoute Channel 4, non, Sky News ce matin, j'ai écouté pendant une heure, vous savez, les infos sur Sky News, voilà, très très bien, pour mon anglais, c'est nickel chrome. Le deuxième ouvrage que j'ai acheté à la Cultura, celui-ci j'ai trouvé, Grimoire des plantes des sorcières aux éditions Rustica. Un gros avantage des éditions Rustica, ce sont des livres extraordinaires. Voilà, je vous le montre ici, comme ça vous l'avez bien. Et à l'intérieur, j'aime bien parce qu'ils reprennent les noms anciens des plantes, ce qui nous oblige à travailler notre petit cerveau. Et nous retrouvons à l'intérieur ce que j'appelle, moi, quand j'étais petite, j'appelais ça des livres à tiroirs. Vous savez, il y en avait plein. Et ben c'est ça, d'accord. Donc, il nous explique les plantes. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est un livre à tiroir. Donc, il y a des explications. Ici, on nous parle de la baguette de sorcier. Et ici, on nous parle du gâteau aux avelines. À vous de faire vos recherches, vous voyez, après. C'est juste un livre magnifique. Moi, j'ai acheté chez Cultura celui-ci. Vous voyez, encore ici, par exemple. Confiture de baie, de bois de mai et de framboise, voyez-vous, c'est tout un programme, hein, mesdames, la magie ici, nous avons quoi? Le bouillon blanc, hein, d'accord, avec la plante qui se découvre, ce livre, donc j'ai adoré ce livre, j'adore, ça fait partie de mes ouvrages, combien je l'ai payé, j'en sais rien du tout. Alors, justement à ce propos, il faut que vous compreniez quelque chose, très important d'avoir de belles choses, quand on veut faire de la magie. Si vous achetez du plastique du bas étage, automatiquement, eh ben, votre magie marchera moins parce que ça n'aura moins de connexion avec votre système cérébral. D'accord? À ce propos, je tiens à vous dire que j'emmène, nous emmenons, enfin vous et moi, nous emmenons notre Sébastien de la Coupe des Fées. On l'emmène avec nous dans des délires internationaux puisqu'il sera sur la chaîne, puisqu'il vend aux États-Unis, il vend au Canada, en Australie, pas en Angleterre ni en Afrique, mais dans tous les autres pays, donc il est libre. Vous lui envoyez un mail dans n'importe quelle langue, et puis enfin en anglais de préférence, et automatiquement il répondra. Et il va passer à l'international parce que je suis en train de le présenter à plein de monde.
Vous voyez comme quoi ça sert le réseau, hein, tout simplement. Et on va y aller, allons-y gaiement, voyez-vous. C'est quand on vous fait en général des petites crasses, qu'on n'est pas sympa avec vous, en général, moi, ça me galvanise. Et automatiquement, il y a des... la magie est vraiment très bien faite, elle vous apporte d'autres éléments. D'accord? Bon, allons voir qu'est-ce que c'est que cette histoire de moustique transgénique du Bill le Gaga. Apparemment, il a pris depuis quelques années quelques usines. Enfin, une, je crois c'est en Californie, là-bas, ou en Floride, je ne sais plus. Excusez-moi, ça, c'est pas important. On se rend compte, donc, c'était... c'était... Qu'est-ce qu'il voulait faire avec? Il voulait, en fait... vous savez, pour concernant la dengue transmise par les moustiques, les maladies et autres... Il voulait éradiquer les moustiques et compagnie, et il les en a fait des transgéniques. Simplement, les moustiques étant mâles, étant tellement poupounés, vous voyez ce que je veux dire, que quand ils sortaient de là, ils étaient devenus comme le poudret, voyez-vous, comme le briquaton. Ils n'avaient plus envie de femelles du tout, voyez-vous. Donc, ils s'y trouvaient... marrant. Donc, ils sont en train de faire d'autres essais au Burkina Faso. Évidemment, ils vont essayer ailleurs. Et en Inde, ils se sont fait foutre dehors. Ben, tant mieux. Voilà. Et par contre, il y a une question qui est quand même intéressante, c'est de savoir s'ils peuvent... Parce qu'une d'une... Enfin, pour avoir vécu ça quand j'avais 10 ans, j'ai attrapé une hépatite B quand j'avais 10 ans par rapport à un moustique. Et je sais que c'est transmetteur, c'est vecteur de maladie. Donc, on va voir si... Il va se servir des mosquitos ou mousticos pour nous empapaouter avec des nouvelles choses puisqu'il est vraiment timbré du bocal. Concernant ce qui s'est passé en Alsace avec les personnes parties et concernant ce qui se passe à Hawaï, parce que je sais à l'archipel d'Hawaï, est-ce que c'est naturel? Non. D'accord, les deux? Non. D'accord, j'ai eu des flashs sur le sujet. Donc je vous le dis tout de suite. Allons voir, et il y en aura de plus en plus, hein, je vous le dis, il faut s'y attendre. Donc, par rapport à ces moustiques, je veux tout savoir, hein, tout simplement. J'ai pris lequel? Le mystique, le tarot mystique, que vous retrouvez aussi chez Cultura, enfin, où vous voulez. Voilà, je rappelle qu'un tarot, un jeu, c'est vous qui le choisissez, c'est votre intuition qui vous guide. Il faut que vous fassiez confiance. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant les mosticos. Voilà. Enfin, j'espère que vous avez la fin. Moi, c'est génialissime. Voilà. Vous voyez, il est 7h20. 7h20. Voilà, je suis debout depuis maintenant 3h, presque 3h30. Et j'ai fait plein de choses, donc je suis contente. Et oui, je suis contente, contente. Bon, j'espère que vous aussi, hein. Voilà, hop, voilà, donc, voilà, alors dites-moi concernant les mosticos, dites-moi avec Bill le Gaga hein, qui continue, alors tous les effets d'annonce qu'ils vont faire, parce que là je me répète et je vais vous le répéter plein de fois, pour que vous arriviez à comprendre, il va y avoir énormément d'effets d'annonce qui vont arriver maintenant. Quel est leur objectif? Ben, on va vous le dire quels sont les objectifs. C'est que pour 2050, d'ailleurs, beaucoup parlent de Geno.seed, qui est en préparation, contre la peste aux étoiles, enfin, la populace de la peste aux étoiles, mais aussi au monde des Américains, pour diminuer la populace. Voilà, pour 2050... Je vous le dis quand même. Donc, tout ça, on ira voir dans le temps. Est-ce que c'est vrai pour moi? Oui, hein. De toute façon, c'est ce qu'ils veulent, mais est-ce qu'ils vont être arrêtés? Pour moi, oui. Là, c'est parti à la maillotche de partout. Il y a des influenceurs. Alors, ce matin, donc, sur Sky News, ils parlaient qu'à Londres, notamment, il y avait une inflation au niveau des crédits entre 11 et 17%. Donc, on parle beaucoup du flegme britannique, mais actuellement il se passe beaucoup de choses là-bas où ils ont tous la trouille que ça explose. Voilà, donc bah, écoutez, on va voir. Hein. Donc dites-nous, qu'est-ce qui va se passer avec les mosquitos? Voilà, hop.
Voilà, d'accord. Donc, on va aller voir. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ces mosquitos? Mosticos, moquistos, comme vous voulez. Attendez, je bouge un tout petit peu la caméra. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Alors, donc, c'est bien des gens qui ne sont pas nos amis qui veulent mettre fin à un système lequel? Par un coup d'épée. Bon, ben écoutez, d'entrée de jeu, donc c'est bien des lobes point bim, on a compris avec Bill le Gaga, il nous fait croire que c'est un gentilhomme et qu'il a un côté humaniste et compagnie, ce qui est complètement faux. Donc je peux vous annoncer que d'entrée de jeu, ah bon? Donc apparemment il y aurait des problèmes. Il y a des choses qui vont être révélées de ce côté-là, mais l'intention est liée, donc par ce moyen-là, effectivement, de mettre une mala point dit par rapport à ça. Donc ça, c'est annoncé par rapport à Bill Gaga. Je vous rappelle que c'est un cinglé, comme toute cette cohorte du DA qui n'a plus de voix. Et là, à nouveau, ça me dit, oui, effectivement, ils ont quelque chose dans la tête. Mais c'est comme, si vous voulez, pour l'instant, il y a un blocage. Il y a un blocage qu'ils n'ont pas pu faire. Et ils vont se remettre, d'ailleurs, ils vont aller voir nos amis africains que je salue tous autant que vous êtes à droite, à gauche, ben, j'ai beaucoup de mails et de retours aussi de votre côté. Merci à tous, hein. À l'outre-mer, les expats, enfin tout ça, je vous embrasse très très fort, je pense fort à vous. Donc ici, là, ça me dit clairement qu'il y a quelque chose qui... Ouais, il va vouloir aller en Afrique pour essayer dans d'autres pays que le Burkina Faso, faire des tests sur la populace, parce que les gens ne disent pas trop. Et je dirais à nos amis africains, faites gaffe, hein. Faites gaffe. Faites gaffe parce que c'est un frappadingue. Alors eux, ils ont eu l'intelligence de ne pas accepter la potion du coco, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà que nous, on a accepté tout en bloc. Bon, ben écoutez, on pense pas que les gens sont méchants, ça fait partie de notre culture. Hein. Voilà, ben on s'est fait bananer. Donc là, d'entrée de jeu, le but y est, mais pour l'instant, j'ai quand même un blocage. Et ça me dit qu'il y a quelque chose qui coince à son niveau, mais qui va coincer de plus en plus. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Donc effectivement, a weapon, en anglais, c'est une arme, d'accord? Il voudrait s'en servir comme une arme sur la populace venant de l'étranger, mais on y est bien par rapport à ça. Et si vous entendez, c'est mon pitbull hein, qui est encore en train de courir tout autour de la maison. Et là, ça me dit quoi? Eh bien écoutez, c'est marrant parce qu'il a gagné tous les jugements pour l'instant. Bon, il les a payés, hein. Il les a payés pour faire ce qu'il voulait. Alors, on le sait, tout s'achète et tout se vend, comme dirait mon prof de com. Il m'avait dit, ouais, tout s'achète, tout se vend, ben pas moi. Voilà. Donc ici, le projet, ben, pour l'instant, n'y est pas, mais il va y avoir une décision, mais qui n'y est pas encore, qui vient bien du monde du bidon. Pour la populace, ils veulent faire quelque chose. Effectivement, c'est dans leur objectif, hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, les enfants, j'espère qu'il y aura des gens qui arrêteront de parler sur diverses chaînes et qu'ils agiront, d'accord? Puisque c'est des hommes qui se disent des hommes, et ben allez-y, allez-y, voilà, hein, au lieu de parlementer, de vous dire « Ah ben je suis célèbre parce que je dis ceci ou cela », ben allez-y, oula, oula, donc il va y avoir, attendez, excusez-moi, il va y avoir un incident grave par rapport à cette situation et je vois quelque chose qui va se produire dans un pays, alors là, excusez-moi mes amis, je reviens sur l'Afrique qui va être comme si quelque chose qui sortait, en fait c'est un peu comme le coco, vous savez quand on vous a dit ça vient du pont du panda, enfin excusez-moi, vous voyez ce que je veux dire, voilà, du pangolin, hein, c'était ça. Ben, ça va être un peu le même style, mais là je vois plus en Afrique pour ce genre de choses qu'ils vont faire des essais qui vont mal tourner, mais mal tourner contrôlés, je vous dirais. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce sont des essais mal contrôlés, enfin contrôlés, mais qui vont dépasser l'entendement et ils seront obligés de payer des royalties au pays en question. Mais là, je ne parle pas de la peste aux étoiles, je parle chez nos amis africains. Donc, je dirais à tous ces gens... qui parlent dans leurs vidéos et qui sont à un haut niveau de l'état profond, je ne parle de personne, mais vous comprenez de qui je parle, et ben, au lieu de parler, agissez s'il vous plaît.
avant que ce soit trop tard. Voilà. Excusez-moi, à un moment donné, il faut être pragmatique, hein. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? D'accord. Disons qu'il y a un projet, bien évidemment, pour déclencher la fin de la populace. Vous entendez bien? Créé par les lobbies. D'accord? Pendant ce temps, eux pourront se mettre où ils veulent. Il y a une non-communication, il y a une gestation. Ben, c'est leur objectif, mais c'est pas encore en gestation. C'est-à-dire qu'ils n'y arrivent pas. Et attention! Attention! Je reviens sur le sujet, ça arrive en foule. Écoutez-moi bien. Attention aux enfants. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Attention aux enfants, parce que comme c'est comme si vous voulez créer par rapport aux moustiques une transformation de l'ADN. Vous êtes en train de comprendre ce que je vous dis, hein? Voilà. Donc, ce ne sera plus les moustiques qui sont transgéniques, ce seront les enfants. Déjà, j'avais prévenu, alors si vous retournez au tout début de mes vidéos, j'avais dit que par rapport à la potion, que ça déclencherait la stérilité, c'est exactement ça, je ne m'étais pas trompée il y a 2 ans. Enfin, pas il y a 2 ans, 1 an et demi. Et oui, le 29 de ce mois, ça fera 2 ans que nous avons la chaîne, les amis. 2 ans. Ben, 2 ans de bonheur pour moi, hein. Voilà, et puis voilà. Donc au niveau des lobes.b, il y a quelque chose qui est retenu pour l'instant. Oh là 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 là. C'est une équipe de frappadins qui sont en train de tester de tas de choses. J'espère que les scientifiques qui ne sont pas... de toute façon, il y en aura qui diront la vérité, mais sur d'autres canaux que les merdes. Il y a des journaux le de Seineneu et de Bouffetamoul TV. Donc là, d'entrée de jeu, il y aura quelque chose qui ne se met pas encore en route. Voilà, mais ils en ont l'intention d'attaquer la populace. Et là, c'est marrant, ça me parle aussi d'animaux. Faites très attention, parce que j'en avais parlé de cette histoire. À un moment donné, ils voudraient nous imposer à ne plus avoir d'animaux domestiques, hein, c'est-à-dire moi comme mon chien, votre chat, enfin, qu'importe, vos oiseaux. Et voilà, donc ils vont vouloir, donc faites très attention, pas qu'ils déciment vos propres animaux. Mais là, ils en ont bien l'intention, hein. C'est pas encore en place, mais l'intention est là. Et là, ça me fait signe clairement que c'est envoyé par les airs. Donc, pour moi, si vous voulez, ils sont en train de provoquer une zone de peur, d'angoisse et compagnie. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore en place. Qu'est-ce qui va en prison? Le diable en prison. D'accord, il y a des chercheurs ici qui sont en train de travailler, ça me dit clairement, mais dans le bon sens, pour mettre tout à plat. Comme on voit d'ailleurs au Congrès, à Washington là-bas, ça me dit actuellement qu'il y aura à un moment donné une enquête qui n'a rien à voir avec le gouvernement qui ment là-bas, mais qui me dit clairement il y aura une enquête sur place par rapport à ce qu'il veut faire Bill le Gaga. Comme je vous l'ai dit de toute façon, je le vois se retirer à un moment donné. Remarquez, il a des enfants, je crois, hein. Donc, voilà, il est en train de tout acheter à travers le monde. Il faut dire que l'O.M.S lui appartient en grande partie. On est clair, vous comprenez mieux pourquoi cet organisme, pour moi, est factieux. Voilà, donc c'est clair, on ne peut pas les écouter. C'est comme l'O.M.C, l'O.T.A.N, tout ça, je ne les crois pas à titre personnel. D'ailleurs, me pose la question, surtout avec les derniers événements qui m'est arrivé, je ne crois plus personne et je fais, je médite avant de faire quoi que ce soit. Voilà, donc ici nous sommes bien dans une situation diabolique, ils veulent enfermer les gens et diminuer les gens, enfin empêcher les gens d'être complètement confinés, hein, comme on l'a eu. C'était un essai qu'ils ont fait, ben, ça a été un coup de maître, hein, puisqu'on m'a tous obéi comme des toutous, pour la plupart. Changement radical, la magie opère. Changement radical, alors j'ai 2 changements radicaux là.
qui m'interpelle. Donc ça vient du monde du bidon. La peste aux étoiles qui donne des accords au niveau du monde du bidon. Donc là, ça me dit clairement, attention. Je parle à l'ursulette, mais le reste est pareil, quoi. Je veux dire, c'est pareil au niveau de la peste aux étoiles. Si on vous dit quelque chose par rapport au monde du bidon, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place un nouveau système et autres, attention, attention. Faudra pas forcément écouter. Là, l'image que j'ai d'entrée de jeu, c'est une certaine forme de potion pour les enfants, puisque c'est l'image qui m'est arrivée dès la maternelle. Donc, mesdames et messieurs qui avez des enfants, réfléchissez bien à 3, 4, 5, 6 fois avant de le faire. Parce que là, clairement, il y a changement radical par un effet magique. Comment dirais-je, la peste aux étoiles qui laisse tout, qui fait courbette devant le monde du bidon. Excusez-moi, là, parce que je voudrais bien un élément explicatif. Il y aurait une forme d'inaction de la part de la populace. Croyant les maires d'IA qui ont besoin de relier des fake news, d'accord, voilà, donc, c'est pour ça je vous dis, moi, perso, au niveau des informations, dans notre beau pays, je ne les crois plus, du tout, donc je préfère chercher mes autres sources, l'anglais permet ça justement d'avoir d'autres sources. Donc dans un premier temps, il n'y arrive pas, mais on me dit clairement, attention, attention aux gamins. Le projet, bon, ben, des log.bi, hein, ben, du Bill le Gaga, ça c'est bien son projet. Ils vont nous faire le coup à vous dire, oui, nous voulons protéger vos bambins. Nous allons protéger tout le monde. Écoutez ce qu'on vous dit. Ben, n'écoutez pas. Voilà. C'est clair que c'est une histoire, ils vont faire ami-ami, copain-copain, une action, si vous voulez, on vous en croire, monts et merveilles, que c'est pour la planète, que c'est écolo, que c'est machin. Et là, on me dit clairement, attention, attention, ne le faites pas. En fait, si vous voulez, pour moi, faire de la magie, c'est magie veut dire excellence de la connaissance en sanskrit, en araméen. C'est clair, c'est en araméen et je vous dirai, la magie est au fond de vous. C'est à vous de la mettre en place et de dire oui, non et de vous organiser. On dit que le silence est d'or et la parole est d'argent et ça fait partie d'ailleurs des quatre piliers de la magie, savoir pouvoir oser se taire. Et se taire est très très important et ne pas tout confier à tout le monde. Il faut pas oublier que la personne qui vous écoute peut devenir très rapidement votre pire ennemi. De vrai, moi, quand on fait des crasses, je rends l'appareil, j'en ai l'autorité. Escroquerie, action, dès là, point mi, trois qui gouvernent, et là. Ça me dit action de quoi? Communication. Donc, à nouveau, je reviens sur le sujet. Ils vont tenter de faire une campagne de communication concernant les enfants. Vous entendez bien? Concernant les enfants pour faire un nouveau système qui est complètement comme le fils-fils, je vous dirais, qui sera beaucoup plus dévastateur que constructif. On verra à cause de cette chose, parce qu'il y en a qui vont obéir, hein, bêtement, les enfants partir. Voilà. On a pu remarquer qu'après la campagne du coco, on a pu remarquer que beaucoup de gens jeunes, sportifs ou non, 30, 40, 50 ans, disparaissaient d'un coup, crise cardiaque ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas en parler. D'accord? Voilà. Vous comprenez mieux? Donc, beaucoup même de vedettes, de stars, qui ont été tout à fait adorables, dire on rentre dans le moule, et ben on est rentré dans le moule, dans la boîte, pas en carton celle-là, hein, entre quatre planches. Changement, d'accord, communication, pourquoi j'ai une communication? Ben à nouveau ça me repart. Vous savez, ils n'arrêtent pas de m'alerter par rapport aux enfants. Donc, vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec les moustiques? Ben, ça a tout à voir. Parce que
À l'inter... Comment vous dirais-je? À l'intersection, comment... non, c'est pas l'intersection. En parallèle, ça me montre le moustique comme un dard. D'accord? Un dard, c'est une piquouse. D'accord? Et c'est ça que c'est en train de me montrer. Donc, ils ont bien le projet, mais j'ai l'impression que le projet risque d'être démantelé par d'autres scientifiques à travers le monde, qui ne sont pas en accord avec eux, donc ils vont tenter de les faire taire, mais ça, j'ai pas arrêté de le dire. Il faut le faire intelligemment. Voilà, il faut le faire intelligemment. Il faut le faire intelligemment parce que là, clairement, ça me parle à nouveau des gamins. Et le dard, ils vont faire des tentatives. Alors, ils vont faire des tentatives aussi, donc de mousticos, de mosquitos. Mousticos, pardon. De mousticos, si vous voulez, transgéniques avec des maladies. Ça ne va pas marcher en totalité. Donc, ils vont reprendre cette campagne d'information pour les bambins de faire des picouses. Rupture. Voilà. C'est ce que je suis en train de vous expliquer par rapport aux bambins. Ça ressort chaque fois. Il y a bien quelque chose d'organisé par rapport, il y a un projet du DA qui n'a plus de veau, si vous voulez. Ça, c'est bien exprimé du monde du bidon, mais il y a une rupture par rapport à ça. Donc, il ne faut pas vous affoler. Là, j'ai la réponse. C'est comme si on est rentré, bon, on est dans cette phase des 4 ans, on n'en a pas arrêté d'en parler, mais je vous dirais, c'est comme s'il y a une rupture à un moment donné où tout est découvert et on va se rendre compte que tous ces écolos bobos, que tous ces gens de la gaucho, machin chaud, sont uniquement les potes à Hit qui en avait l'air ou pas l'air dans les années 40. Donc ici, il y aura une rupture totale avec ce projet, parce qu'ils ont vraiment le projet diabolique hein, du monde du bidon, mais il y a une rupture par rapport à ça. Donc déjà, ouf! D'accord? Voilà. Donc il a bien l'intention, il a envie de le faire, ils ont engagé les recherches par rapport à ça. Apparemment, il y avait 750 millions, milliards de mosquitos là, mousticos. Donc je m'affolerai pas à votre place, mais par contre, je resterai vigilant. Si j'étais à votre place, non succès par rapport au projet. Non succès derrière, les ennemis sont mis à mal. Leur projet de dépoudrer, ben les poudrer, on peut dire c'est les mosquitos, hein, voilà. Et on me dit clairement, c'est un projet sacré pour eux, mais qui n'aboutira pas. Je vous rappelle, les amis, et c'est vraiment un peu côté mère poule, hein, vous me connaissez aujourd'hui, j'ai un côté mère poule. Je vous dirais, il faut pas vous affoler. Il faut absolument pas vous affoler, d'accord? Mais par contre, faites fonctionner votre cerveau. C'est pas le moment. Prenez des vitamines, du magnésium, de la vitamine C, ce que vous voulez. Faites-vous des bonnes infusions, des bonnes herbes, ou ce que vous voulez. Mais de grâce, réfléchissez à deux fois avant de les écouter, parce que ça va y aller plein pot. Et ça commence fin août. On est bien clair sur le sujet. Fin août, le narratif dans les merlias va s'accélérer. Donc, posez-vous, faites une prière ou une méditation vers 18 h avec une bougie et vous m'en direz des nouvelles. D'accord? Mais pensez à vous, essayez de vous relier avec vos ancêtres ou avec vos parents ou alors allez voir, si vous êtes jeune, d'aller voir vos parents ou grands-parents, ce que vous voulez, et juste échanger. Échanger et arrêter d'avoir peur surtout. Simplement, il faut pas être stupide là. Excusez-moi, je vous secoue un peu, hein. Il va pas falloir être stupide, mais au contraire, bien réfléchir avant d'agir. Ok? Que cette histoire de ce qui s'est produit il y a 2 ans en arrière avec le fils-fils nous serve de leçon pour l'avenir. N'oubliez pas que le cerveau se rappelle beaucoup plus facilement des bons moments avec quelqu'un que des mauvais. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est André Malraux. Donc, c'est beaucoup plus facile. André Malraux, ancien ministre de la Culture en France, il avait dit ça. Et voilà, donc on se souvient beaucoup plus des mauvais que des bons que des mauvais moments. Mais il faut toujours être objectif dans la vie. Si vous n'êtes pas objectif, pour ça, il faut peser toujours les deux. D'accord?
Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Surtout au pouce, pensez au pouce bleu, au like, au partage et aux abonnements. Et on se retrouve demain pour d'autres aventures. Bye bye!